Le prix de l'innovation rurale est un concours national. Il vise à récompenser et mettre en valeur les acteurs qui ont un impact concret sur le quotidien des habitants et des professionnels du monde rural. C'est le prix de l'innovation rurale. Donc, le projet doit être innovant, la réalisation doit être innovante. Elle doit s'appliquer au monde rural avec ses caractéristiques propres. La taille des bassins de vie n'est pas la même que, évidemment, dans le monde urbain. Les ambitions du prix, c'est de saluer les initiatives de la société civile, de donner un visage à la ruralité qui entreprend, vouloir aussi l'accès sur l'économie sociale et solidaire. Ce dont ont besoin les territoires ruraux, c'est l'ingénierie. L'innovation, elle vient rarement d'en haut. Elle vient de celles et ceux qui sont au plus près du terrain. C'est grâce à ces jeunes qui sont formés dans vos universités que nous aurons les ressources nécessaires pour accompagner les territoires. On a reçu 92 candidatures. Donc on a étudié avec presque 10 membres du jury qui viennent aussi bien du monde politique que du monde de la recherche, que du monde de l'entreprise, que du monde associatif. Donc le panel lui-même était représentatif pour finalement sélectionner 11 lauréats, dont deux grands prix de l'innovation. Bien sûr, parmi ces 92 dossiers candidats, certains sont à l'état de projet et d'autres projets sont très aboutis et sont en exercice depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui est très intéressant pour nous parce qu'il y a des leçons à tirer de leur expérience. Le prix de l'innovation rurale, je le considère comme une reconnaissance. C'est un moyen pour se faire connaître auprès des territoires ruraux et demain, ça va m'aider sans doute sur de la communication auprès des territoires ruraux. Dauphine s'implique à deux titres, selon ses deux missions, la recherche et la formation des étudiants. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire une synergie des énergies entre nos étudiants, qui ont un très bon niveau, et des problématiques locales. On est une université, notre objectif est de mettre en valeur l'ensemble des projets, l'ensemble des acteurs qui s'impliquent pour le dynamisme, pour faire vivre, pour innover, pour expérimenter dans les territoires ruraux. Que le jury a voulu primer, ce sont les projets qui ont un impact fort sur la vie quotidienne des personnes qui habitent dans ce monde rural. C'est là que l'innovation prend son sens, au fond. Des gens inventifs, des gens qui sont ingénieux, essayent de faire en sorte que la ruralité soit demain un territoire de conquête. Et moi, je crois à la ruralité conquérante. Les liens qu'il peut y avoir sont intéressants puisque ça le permet de rencontrer des personnes que l'on ne côtoie pas forcément. Aujourd'hui, je connais du monde à l'Université Paris-Dauphine. Je trouve que c'est enrichissant de rencontrer ces personnes. Toutes les candidatures sont lues, relues, instruites, débattues. Toutes sont mises en valeur, soit par le prix directement, soit ensuite par l'implication des membres du jury auprès de tous les projets qu'il a rencontrés, même s'il ne reçoit pas le prix. Donc il y a aussi des bénéfices indirects à candidater. Pour un des lauréats, nos étudiants devront produire un dossier et rendre un livrable. Et ainsi, ils se sensibiliseront aux problématiques que connaissent les acteurs du monde rural. Ces projets, nous voulons leur donner une couverture médiatique plus importante et puis nous allons suivre ces dossiers avec les étudiants et les enseignants de l'Université Dauphine. Je pense qu'il y a un intérêt non négligeable pour tous les porteurs de projets qui sont dans l'innovation rurale à postuler pour ce prix. Je pense que ça va les aider à communiquer, à développer leurs projets et puis peut-être que demain, ça peut aussi les aider financièrement.